J'espère que vous allez bien et que vous avez aimé ce petit lookbook Modanisa. Alors, on se retrouve pour le haul lookbook du mois de septembre. J'ai choisi des vêtements pour enfants, pour bébés et des vêtements pour moi. Donc ici, j'ai Mariam qui est à côté de moi. Elle n'est pas à l'école aujourd'hui, elle est un peu malade, elle a une angine. Donc, qui va m'aider. Donc, Mariam, on va commencer sans plus tarder avec les vêtements pour bébé. J'ai choisi ce petit ensemble ici que vous voyez, qui est juste trop cute. Donc c'est une petite chemise body avec un petit pantalon, un petit nœud ici. Je l'ai pris en taille 12-18, la qualité est vraiment bien, il n'y a rien à dire. Et ça, je compte lui mettre pour ses 1 an, puisqu'on va fêter son anniversaire très prochainement. Et voilà, écoutez, c'est trop mignon. T'aimes bien, Marielle? Une petite poche à derrière. Il y a quoi? Ah oui, il y a une petite poche. Oui, Marielle, le petit détail, c'est une fausse poche. C'est pas une vraie poche. Voilà, numéro 2, j'ai choisi ensuite. J'ai choisi un autre petit ensemble que j'ai trouvé aussi trop mignon, que j'ai également pris en 12-18. Donc c'est toujours un petit body hein, qui vient avec ce joli petit pantalon, avec les bretelles, je trouve ça juste trop cute. Voilà, la coupe est nickel, les finitions, etc. Bon, la dernière chose que je vais vous montrer, il l'a porté hier, donc on va dire que c'est pas très propre. Hein. On va mettre ça à la machine juste après. C'est ce petit ensemble, je vous l'avais montré sur Instagram. C'est ce petit ensemble Batman qui se présente comme ceci. Donc il y a le haut, le petit pantalon, vous voyez où il y a écrit Batman. Et un petit cache-cou. Tu vois, comme celui qu'on avait acheté quand on est parti en Chine, tu te rappelles, quand il faisait froid? Un petit cache-cou. Donc voilà, on va passer maintenant aux vêtements pour filles. Alors pour Lanny et Mariam, j'ai choisi des petites tenues. Tu peux me donner les petits hauts ici? On a choisi ces petits hauts, ces petits t-shirts comme ça, qui se présentent comme ceci. Trop mignon, il est écrit Forever Summer. Voilà, Mariam, tu peux venir? Mariam, elle en porte un. Tu veux bien montrer? On va pas te voir, faut que tu viennes avec moi. Tu peux montrer? Tourne-toi vers là-bas, comme ça on voit. Voilà. Allez, merci. On a pris des jeans. Alors, j'ai pris un jean comme ceci. J'ai pris un peu plus grand pour qu'elle porte d'ici quelques temps. J'ai pris du 6 ans, puisqu'elles vont bientôt avoir 6 ans. Ça se présente comme ceci, avec des petits motifs brodés, des petites poches. Il n'y a rien à dire au niveau de la qualité des articles. Et alors, on a pris des petites vestes que Maria et Rania ont trop aimées. Donc, petites vestes en jean blanche comme ceci, avec des petites perles, des petites paillettes, des petits volants ici comme ça à l'arrière. T'aimes bien, Maria? Tu veux essayer? Tiens, taille. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? 6 ans. Oh, trop cute. Ouais, c'est trop mignon. Ouais. T'aimes bien? T'aimes bien? Oui. Voilà, avec des petits boutons à pression. On va continuer avec les articles pour moi. Alors, j'ai choisi pas mal d'articles. Donc, la majorité de ces articles, je vous les ai montrés donc en introduction dans le lookbook. Mais j'avais envie de vous donner mon avis. Donc, d'abord, j'ai pris ce turban. Je vous l'ai montré sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc, vous voyez, c'est un turban qui se clipe, qui se met directement comme ça. Bon, bref, là, je ne l'ai pas arrangé. Mais vous voyez, qui se met ici comme ça directement. C'est une collaboration avec Halima. Le truc, c'est que je trouve qu'il est un peu trop grand pour moi. Donc, quand je le mets, je dois un petit peu, voilà, ajuster. Mais sinon, le prix, il est assez cher. Le prix aussi, je me souviens que je me suis dit, oula, quand même, ça fait cher. Alors, j'ai pris une jupe comme ceci, qui est juste super jolie. Qui fait très, ben voilà, ça fait automne, hiver, voilà, toute simple. Je voulais poster sur Instagram, donc je vous mettrai une petite photo. De toute façon, vous l'avez vu en introduction, mais si vous voulez voir les looks, j'ai posté la plupart des looks sur Instagram. Donc cette jupe ici en taille S. Alors au niveau des tailles, j'ai tout pris en taille 36. Hein. Taille 36, j'ai pris ce jean depuis le temps que je voulais un jean blanc. J'avais essayé chez Zara un jean un peu dans le même esprit, sauf que celui de Zara était trop court. Là, il est juste parfait. Il est juste parfait, la coupe, tout est nickel. Voilà, écoutez, je l'ai pris en taille 36. Franchement, j'aime trop. Une marque que j'aime beaucoup chez Modanisa, c'est la marque Revka.
puisque chez Modanisa, vous avez plein de designers, de marques différentes. Et c'est vrai qu'en général, à chaque fois, je prends toujours des articles de cette marque-là. Donc, c'est cette longue robe vert kaki hyper légère. Elle est vraiment très, très légère avec des boutons. Donc, c'est vrai que c'est cool du coup pour moi. Je peux facilement... j'ai breastfeeding. Je peux facilement allaiter Haroun avec cette veste-là. Je vais vous mettre une petite photo. Non, je ne vais pas vous mettre de photo puisque vous avez vu l'introduction, le lookbook. Merci Mariam. Alors ça, c'est un ensemble de la marque Mia qui est hyper confortable. Vraiment hyper confortable. Le tissu, il est hyper fluide. Après, vous pouvez bien sûr le porter avec autre chose. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les ensembles. Des fois, franchement, j'ai juste pas envie de me prendre la tête. Et du coup, je trouve que c'est hyper simple à avoir des choses, voilà, ne pas devoir réfléchir à comment coordonner ceci avec cela. Donc voilà, hyper fluide, hyper simple. Et le pantalon qui se présente comme ceci, qui est hyper aussi confortable. Voilà. Il est légèrement transparent, vraiment légèrement transparent, mais comme la tunique elle est longue, on voit rien du tout. Ici j'ai deux articles que je n'ai pas intégrés dans la vidéo. Donc le premier c'est ce pantalon, je voulais vous faire un look, hein, et je pense que je vais vous le faire puisque ça fait très, automne, fin d'été. Donc j'ai pris ce pantalon ici, qui se présente comme ça. C'est le genre de pantalon que j'aime bien mettre avec des longues tuniques ou voilà. Hyper confortable. Et alors j'ai pris cette veste que je trouve juste trop trop belle, qui se présente comme ceci. Oh mince. Ouh, vous voyez qu'est-ce que j'ai... j'avais pas vu, mais il faut que je coupe ce petit fil. Mais vous voyez, la veste, elle se présente comme ceci. Elle n'est pas très... elle est légère, hein. C'est assez léger. C'est pas, c'est pas du tout une veste d'hiver. C'est plutôt, on va dire, pour l'automne, quoi. Mais elle est sympa. Je la trouve vraiment sympa. Ces chaussures, puisqu'en fait, je voulais vous faire une tenue complète avec la veste noire et blanche. Ces chaussures, ainsi que le legging. Ce sont des chaussures qui se présentent comme ceci. J'ai trop aimé. Donc, c'est du velours. Elles sont juste trop, trop, trop belles. Alors, un petit haut tout simple vert kaki. Comme ceci, tout simple, rien de particulier, on va dire, rien de, c'est juste un petit haut tout simple. Ici, j'ai un ensemble. Cet ensemble-là, franchement, je suis un peu déçue dans le sens où je ne l'imaginais pas comme ça. Donc en fait, c'est un ensemble, vous pouvez porter ça pour le sport ou autre, hyper simple. Le truc, c'est que j'aime pas du tout ces détails. Je pensais que c'était des trous, des genres de trous, mais en fait non, ce sont des paillettes et j'aime pas trop ça, je sais pas, j'aime pas trop la bande dorée avec les paillettes argentées, dommage parce que sinon c'est un ensemble, voilà, c'est les genres d'ensemble que j'aime bien mettre pour aller chercher des filles vite fait de l'école ou pour le sport, ce genre de choses, mais pour le coup là, j'aime pas du tout j'aime pas du tout ce détail. Ensuite les filles, j'ai pris une chemise blanche oversize, une chemise large qui se présente comme ceci. Je ne pense pas que c'est un mélange de coton et d'autres choses, parce que j'ai pas mal de chemises blanches. Si vous avez vu ma vidéo, ma dernière postée avec Asma Fares, je vais vous parler de mon indispensable chemise blanche. Et c'est vrai que les chemises blanches, j'aime bien avoir des chemises blanches. Je suis en train de chercher la composition 60% coton, 40% polyester. Voilà, donc elle se présente comme ceci, je la trouve juste trop belle, elle est... c'est juste une belle chemise blanche, toute simple. Elle est légèrement transparente. Légèrement transparente. Et voilà. Alors, il me reste à vous montrer deux articles. Donc, ça, c'est le flop de la commande. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je sais pas. Soit c'est moi qui ai mal foutu. Ou alors, c'est le pantalon qui a un problème. Je suis trop dégoûtée parce que ce pantalon, je le trouve juste trop beau. Je voulais un jean un peu comme ça, délavé. Vous voyez, un peu fluide comme ça. Je le trouve juste super beau. Mais alors là, les filles... Quand je le porte, le haut ça va pas du tout. Je sais pas, j'ai pas envie de le porter pour vous le montrer, mais en fait, lorsque je le porte au niveau des hanches, ça va. Et alors, au niveau de la taille, il y a tout qui baille, mais vraiment tout qui baille. J'ai essayé, impossible, franchement, c'est juste pas possible. Donc, je sais pas, est-ce que c'est le modèle ou est-ce que c'est moi. En tout cas, ça ne me va pas du tout. Ça ne va pas du tout avec ma morphologie. En tout cas, c'est. Pourtant, quand je regarde comme ça, il a l'air simple, mais il y a un truc qui cloche dans ce jean. Je sais pas quoi, mais voilà. Du coup, je ne recommande pas. Je recommande pas, on sait jamais, mais je recommande pas. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime vraiment bien le tissu, le tombé. Et alors, la dernière chose que j'ai pris, c'est... Pour le coup, c'est hyper chaud. C'est un long gilet. J'ai pris un gros gilet. Donc, du coup, j'ai pris ce gros gilet ici
hyper, vous voyez, vous vous sentez super bien dedans. En tout cas, je vois bien ça en hiver quand il fait super, super, super froid. Ne serait-ce que même à la maison, porter ça à la maison avec la grosse capuche, des grosses pantoufles, il est hyper chaud. Hyper, hyper chaud. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est ce foulard ici. Donc, je vous ai posté il y a quelques temps un tuto hijab. Vous avez été nombreuses à me demander, Hasna, ça fait longtemps que tu ne fais plus de tuto hijab. Donc, du coup, je vous ai posté un tuto hijab dans lequel je portais justement des foulards de chez Modaniza en partenariat avec Halima, la mannequin, la célèbre mannequin. Et j'ai tellement aimé le Yamaliam qui a pris le gilet, qui s'est couverte avec. Il est doux ? Il est trop doux, hein, on dirait un gros doudou. J'ai tellement aimé en fait ces foulards que j'ai choisi le même foulard en noir. Donc j'ai, dans le tuto, n'hésitez pas à aller le voir, hein, c'est dans les dernières vidéos que j'ai postées. J'avais pris du vert kaki, du blanc et du nude. Et du coup, bah, j'ai pris le noir. Le tissu, il est... J'ai plein de foulards en georgette, les filles, je vous assure que j'ai plus d'une centaine de foulards. Mais ce tissu, il est exceptionnel. Il est franchement le tombé, il est canon, il est juste canon. Il n'y a rien à dire. Vous avez été nombreuses à me demander, Hasna, il a l'air super, ils ont l'air super beaux, ils ont l'air super beaux. Effectivement, franchement, ils sont canons. Je ne peux que les recommander. Après, encore une fois, c'est vrai que très souvent, vous me dites, Hasna, le problème chez Modaniza, ce sont les prix. Alors, effectivement, les prix, des fois, je trouve qu'ils sont... quand même abusé. Voilà, alors j'ai un code promo que je vous laisse comme d'habitude en barre d'informations qui vous donne droit à 20% en plus des autres offres qui sont cumulables sur le site. Donc Wiz Hasnabi, Wiz Hasnabi d'ailleurs c'est mon pseudo sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, Wiz Hasnabi. Donc 20% plus les frais de port offerts. Et en ce moment vous avez à chaque fois, il y a tout le temps des offres, hein. En ce moment vous avez un hijab offert pour toute commande. Je ne pense pas que ce soit ce hijab qui sera offert. Je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les articles que vous avez préférés, ceux que vous avez moins préférés. Si vous avez déjà testé Modaniza, n'hésitez pas à laisser votre expérience aussi en commentaire. Ça pourra servir aux autres. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! We'll be right back.